Dans la vidéo, ça, nous allons montrer comment vous êtes capable de télécharger yon IDE et puis installer. Songez que dans le cadre de ça, c'est CodeBlocks que nous avons utilisé comme IDE. Quand là, nous allons sur Google, ben, là, dans la barre de recherche, nous marquons CodeBlocks et puis nous faisons Enter. Là-bas, nous avons plusieurs liens. Ben, nous prenons le premier qui mène nous exactement sur le site officiel CodeBlocks qui c'est codeblocks.com. Pour RG, nous avons téléchargé la version qui est plus récente. Nous avons plusieurs versions, nous avons 17.12, nous avons 20.03. Eh bien, nous allons télécharger la version. Nous allons aller là dans Downloads, nous allons cliquer sur Downloads. Après ça, nous allons download. Nous allons download et source code ou bien nous download Binary Release. Dans le cadre de ça, nous download Binary Release. Nous cliquons sur lui et puis la proposer nous est-ce que là li tout dit nous que nous sur Windows donc songez CodeBlocks ka utiliser ni sur Windows ni sur Linux ni sur Mac ben dans cadre coup ça c'est Windows s'il pas marqué Windows là nous t'a sélectionné lui en l'air et puis n'a venir là n'a cliquer là exactement nous peut-être cliquer sur l'autre là tout là mène nous exactement côté pour nous commencer download là nous exactement nous arriver et tout commencer download CodeBlocks pas trop lourd si nous regardons en bas là il y a environ 35.7 et mégabytes les nous fini et download CodeBlocks qu'on a là nous allons installer CodeBlocks après nous un petit temps ok les fin download qu'on a là on va aller exactement côté limiter là limiter là pour moi on fait clic droit sous li et bien faire one as administrator mais là on va juste cliquer sur oui ou bien yes et puis presque tout ça on va faire c'est next li mande nous sinon d'accord comme nous obligé d'accord si nous pas d'accord que nous pas continuer mais on dit oui me d'accord et par les trois bagages là nous avons fait next encore il m'a dit nous qui bon nous voulons mettre donc on va choisir un côté pour et pour mettre lui est-ce que m'baka bon bon quitter exactement côté lui mettre par défaut pour moi hein on fait install là prend un petit temps OK il m'a dit est-ce que m'vle one CodeBlocks kounya là on dit oui tout ça OK CodeBlocks censé installer. Kounya la, lè nou fin installer CodeBlocks, premier bagay nou kapab fè, nou ka tout clique la create a new project ou bien tout, nou ka aller là nan file, nan fè comme ça pito. Nou aller nan file et puis nou aller nan new, nou clique sur project. Lè nou rive là, songe que premier application nou va le faire, c'est une application console. OK. Nous allons faire une application console. Donc, on va cliquer là de préférence. Moi, écrit console. Et puis là, je cherche application console. Je clique sur lui. Soit je double-clique ou bien je fais go là. Quand on a l'image, est-ce que je voulais faire une application C ou bien une application C++? IDE, ça lui permet tout capable de faire programmer pour langage C et en même temps langage C++. Nous disons dans le cadre de ça, c'est un programme C. Nous avons cliqué sur C et puis nous faisons Next. Quand nous allons faire le programme, nous avons un nom. Je vais relever mon programme. Je vais relever mon programme. Quand nous allons choisir de mettre le côté, je vais mettre le l'autre côté. Je vais créer un folder côté que je vais mettre tout programme moi voilà donné et ben aller sur desktop là après il y a un folder là après le folder ça ns3 et puis c'est là-dedans on va le mettre dans ns3 on va le mettre application dans l'elle fait après ça je juste fait next et bien fait finish OK là me fini là moi venir dans source moi double cliquer dans source moi cliquer sur main. C'est si nous un programme ça nous va voir qui ça va ba nous comme résultat en nous aller là en l'air là nous gagne un bouton qui dit one yon l'autre qui dit build and one ben dans cadre pour ça n'a pressé
bouton qui marqué build and one nan de référence. Nous fin presser build and one, n'a fait un titan li. Là, mes résultats, nous ka remarqué que te gen hello world qui te marqué là. Hello world là, mais li marqué là comme ça, après il gen un backslash n, mais mes résultats c'est hello world. Kounya là, nan place hello world, on a campé application ça, nous campé là. M'a marqué un autre bagaille pour moi, est-ce que ça m'a marqué apparaît marqué God is good. God is good et puis marqué point d'exclamation. Et puis m'a venir là, m'a rewind and build programme moi encore. Essayez faire ça, essayez suivre instruction j'ai noté fait tout à l'heure. Si vous avez difficulté, parlez avec un autre ami qui fait déjà ou bien professeur qui dans classe soit. N'a campé là avec vidéo ça. Après, nous allons continuer avec l'autre bagaille qui gagne dans le cours.